Bonjour, je m'appelle Guillaume Taris, je suis en seconde pro. L'exploitation du lycée agricole a choisi de faire un silo boudin car il revient moins cher que les silos couloirs et il n'y a pas de moisissure. Par contre, il n'est pas pratique, surtout quand il pleut, il se salit vite. Le mètre de boudin coûte 30 euros, ce qui fait environ 1 700 euros. Alors, le boudin mesure 55 mètres de long, 3 mètres de large, 1 mètre 80 de haut, ce qui fait 141 mètres cubes d'ensilage.